Bonjour tout le monde, ici Caribou Canadec vous parle, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, continue l'aventure du jeu. Carto. Caribou Canadien. Oh yeah! Rempli.
Un. Et les mettre tous du même côté. Voici flou. Et en pierre froide. J'entoure l'eau si profonde et qu'elle part au-delà. Là. Sa pouline n'a pas de corde. Je me vois au fond. Vraiment distingué. Bonjour, le capitaine Savala nous a dit de rentrer au jamais nous ont perdu. Nous allons nous regrouper avant de repartir sur le chef. Bonjour, les noix de coco étaient vides. Tenez à m'amener au capitaine, trop fatigué pour bouger, ça veut dire que tu es déshydraté. J'ai un noble et un chameau blanc, c'est la monture d'un truc plein. Qui disait se trouver le cheval blanc, t'es que pourrait t'aider, mais quelque chose dans la bouche, je vois, clique dessus. Sauvé petite sœur, merci beaucoup. Presque atteint le Havre, mais j'ai perdu mon groupe en route. Donne-moi un instant pour contacter les autres. Vite, mon ami. Pourtant, j'ai envoyé un message jusqu'à la baie des sables. C'est une excellente outil de communication.
marquant le temps de la coquille. Une creuse dans le sol, en dressant des bruits de peur. Ça ne dérange pas. Car il mue régulièrement. Tu dois être brave et fort pour avoir trouvé ici. Puis-je te demander si tu as rencontré mes... Et celui-là, je m'en savais qu'elle s'en sortirait, mais j'avais peur que mes indices ne soient pas assez clairs. Je ne me trompe pas, il s'agit là de l'entrée du Havre du désert. J'ai cependant besoin d'un artefact spécial pour l'ouvrir. Le tribu de la... se le transmet de génération en génération dans l'espoir qu'il nous ouvre la voie. C'est le moment venu. Je crois qu'il est temps d'en faire usage. Bon usage. Et là, je suis fait. Le voleur des sacs. Et avec toi. Peux-tu essayer de les retrouver pendant que... Si bien. Je te dois une pierre chandelle. Les trous sous les toits sont trop rapides pour que tu les attrapes, sauf si tu parviens à les distraire. Une fois, les deux m'ont volé un bracelet alors que je leur portais. Les vauriens sont attirés par les objets brillants. Les voleurs des sables doivent être dans la table jaune. Attends-les avec quelque chose de brillant. Tu n'as rien de brillant, essaie de trouver quelque chose dans le camp abandonné. Ah bon. Y'a rien. Soyez relativement doux et plein de sable bof. Mais il y a quelque chose d'inattendu dans son poil. Fragment de carte. Quel est aujourd'hui? Nous avons réussi. Cette porte est incroyable. Sa ligne d'érosion elle est subite encore. Mais qu'est-ce que signifient ces symboles? Oh, as-tu vu les voleurs des sables et rôdent dans les parages? Ils me font froid dans le dos. Qui aurait cru que le dessert fourmillerait de râles? Les serpents ne sont-ils pas censés s'en sortir? Pas que je m'en sortirai, hein, petit, j'ai encore la peine. Qu'est-ce que les jeunes disent sous une fois? Je vais tout même pas laisser mon nez petit. Mourir de soif. Et peut-être ma capitaine, mais je l'aime quand même. Les écritures anciennes ornent cette porte. Elles sont presque aussi anciennes que moi. L'artefact, tu l'as trouvé. Je peux pas t'imaginer comment je suis reconnaissante. Tu es un.
C'est raison, il nous suffit de mettre l'artefact en... L'artefact est en place. Et maintenant, quelle est la dernière étape? Les larves sous le lit. Salut, et ça, on reçoit un scarabée. C'est une scarabée de la capitaine Samala, ils sont partis le trouver. Je suis content de savoir si c'est un sauveur. Gentil, non, je vais essayer des chameaux. Je compte un peu, mais j'aime beaucoup.
Au revoir, château. Hi, Aurora, what's up? Ah, j'en vois la pièce, elle est là.
Bienvenue les soeurs, la porte est ouverte. Oui, la lave. Je vais devoir une franche. Lave. On va mettre dans l'air, nous sommes. Yes.
chanson. Ouais, ouais, je donne. Ouais, hein. Je donnerai une petite à toutes ces pièces. C'est incroyable. On va avoir besoin d'un peu plus et un beau bateau. Mais j'ai tout de même du mal à encore mes yeux. Ça va jamais arriver sans toi. Dès que nous aurons trouvé quelque part, la bien j'enverrai un message à la tribu. C'est bon, enfin, je suis infiniment reconnaissant à Peter. Tu dois retrouver ma petite fille, la capitaine, je lui dis, allez, tu m'as aidé à toi. D'ici, c'est-à-dire une sacrée éruption, se prépare. Des airs à la cave, à la lave. Ça chauffe de plus en plus, pas de repos pour les braves. L'ancien parlait de signes sacrés à son lave. Mais attention, tu pourrais très facilement te perdre. Je sens. Ça est terminé. Bateau Shiana ne doit pas être long. Pas te voir à notre point de rendez-vous, mais tu as l'air d'avoir vécu une véritable aventure. Le conservateur m'a raconté que tu étais passé par ici en partant vers le désert. Est-ce que tu as trouvé un indice sur ta grand-mère? Ah, je suis désolé. Une question de temps, elle doit te chercher avec autant d'ardeur que toi. Toi aussi, tu as senti ça vibrer. Je croyais que j'avais du mal à gérer mon déjeuner jusqu'à ce qu'un livre me tombe dessus. Ça doit être le volcan qui fait des siennes et les éruptions sont très impressionnantes. Le ciel se remplit d'une fumée noire, parcourue de brasses oranges comme des flocons de neige brûlantes. Une carte de fumée pourrait empêcher ta grand-mère de voler correctement. Je me demande si tu pourrais trouver un moyen de prévenir. Ça veut dire... Tu dois bien essayer. Père, je parie qu'il est temps... Il y a des indices dans la salle de volcan, on y retrouve. Science. Malheureusement, la salle de volcan est perdue depuis quelque temps. Elle est parfois imprévisible. Les réflexions sur une pièce disparaissent sans prévenir. J'aimerais tant retourner un jour retourner dans un étage. Ah, ne fais pas attention. C'est non qu'il est. Bref, je ne veux pas vraiment t'aider à trouver la salle de volcan. Elle dit, je trouve généralement que je cherche après avoir lu assez de livres. Quel meilleur endroit où chercher. Ils m'ont dit, je vous l'ai dit, en explorant le couloir labyrinthique, je suis tombé sur un point d'interrogation avec là où on aurait dû trouver un numéro peut-être. Et je suis allé, où je suis rendu compte que les étages précédents et les suivants n'étaient pas numérotés non plus. J'ai découvert des étages inconnus, des pièces que je n'avais jamais vues et j'ai fui absolument terrifié. Je ne mettrai jamais les pieds
À Chardo, je vous cède un grand respect au sein de la tribu car ils étaient responsables de la survie de leur peuple. Le groupe s'éveille, est loin de son foyer et de nouveaux résultats. Les aidants à la recherche, personne ne s'était convaincu. Nous connaissons le désert. Parce qu'elle trouvait une nouvelle source d'eau, la tribu entière les rejoignait à d'autres chameaux. Yo, CPT Goofy. Parce que j'en avais pas beaucoup d'avance quand à la fin de mixeur non plus. Là, je prends une drogue. Mixeur s'est fermé. Mixeur s'est fermé, fait des mots. Allez.
explorant les couloirs labyrinthiques, je suis tombé sur un point d'interrogation. La question là, on aurait trouvé un numéro d'étage. Et je me suis pressé. Pas numéroté non plus. Ouvert à des étages. Découvert à ces étages inconnus des pièces que je n'ai jamais vues et j'ai vu de ce moment. J'ai les pieds dans ce. Être plus haut que 3 métal, je guess. Oh, étage point d'interrogation. Thank you.
Yes. L'année avant de devenir 256e, gardien Nesh était un petit déchet berge. Nesh avait un mal à se faire des amis et passait le plus clair de son temps à explorer seul la forêt. Le dit fatidique, Nesh suivit le sang d'un nullement triste et rencontra un jeune hibou pris dans un piège. Nesh libéra l'oiseau, démonta le piège et en fit une civière pour transporter le hibou vers ce qu'il rit. Depuis ce jour, Nesh et son compagnon hibou sont inséparables et veillent désormais ensemble sous la mer. À mesure que la mer grandissait, Racine se répandait à travers la forêt. Elle suivait des chemins secrets qui menaient à des terres distantes partout dans le monde. Les chemins cachés aux yeux de tous se trouvaient révélés aux explorateurs les plus intrépides. Seuls les arbres savaient comment y accéder et n'étaient pas du genre bavard. Avec son vert compagnon et sa grosse barbe touffue, le messager Yenor fut choisi comme 255e. Yenor avait son verre parcouru le bois sauvage vers des décennies durant. Deux amis loyaux de grand. Mais, hélas, ce moineau intrépide s'empara le jour du verre qui. Laissant le gardien seul parmi les arbres pour le reste de sa garde. Pendant les innombrables, le descendant du verre de Yenor continua à ce jour devant. Nos pieds se nourrissant de la terre. Je pense avoir trouvé quelque chose. Les verculnologues sont en accord sur les volcaniques. Les défenseurs du calendrier avancent qu'il a été un outil organique, organisation essentielle pour d'innombrables générations. Les opposants rétorquent qu'il n'est rien de plus qu'une collection de gribouillis, gribouillages absurdes gravés autrefois sur un mur pas. Quoi qu'il en soit, les habitants du peuple semblent toujours parvenir à éviter la catastrophe. Ils s'y attendent ou non. Je commence à croire que je ne trouverai jamais la salle. Tombé dessus. Les bâtiments. Bref, je pense avoir trouvé quelque chose d'intéressant. Le volcan est une grande destination touristique du fait. Son climat trempé. Tempéré et de ses stations terminales mondiales connues. Les visiteurs peuvent prendre le temps de gravir à pied plusieurs jours ou espérer pouvoir chevaucher l'une des chèvres de cette béton. Dans les chemins qui vous mettent, et tous. C'est capable. On dirait qu'il est possible d'accéder au volcan. C'est sûr que tu trouveras le chemin s'il existe personne. Tu veux que je t'accompagne? J'ai peur de te ralentir, ça m'empêche. C'est bon, mais. Le temps presse et tu te trouves très vite, t'as. Vas-y, sans moi. Je vais rester ici et faire quelques travaux de recherche. Une chance dans la forêt, je sais que tu n'as pas le chemin. Sur les volcans, il y a quelques livres un peu chauds dans sa collection. Une petite carte que vous savez où se rendre ensuite. On va à la route du volcan par un chemin secret caché dans la forêt. Saluer à ses amis un peu à nouveau avant de repartir en direction du bois sauvage. Et une personne ne pourrait l'empêcher de retrouver sa grand-mère.
Ah, petite Sète, quel plaisir de te voir, la meilleure exploratrice que ces bois aient connue. Nous avons besoin de ton aide. Nous ne retrouvons plus une mèche afin. Pas si tu pouvais m'habituer à l'appeler comme ça. Ni puis sans retour, tentant de repérer depuis l'un des plus grands arbres. Ils ont peut-être vu quelque chose d'intéressant. Ah, ok. C'est tout pour l'instant. Pour le jeu Kato sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah!